Salut à tous. Je pense que c'est le bon moment pour m'exprimer après tout ce moment de silence. Tout d'abord, voilà un peu le résumé de ma saison. Une année, je pense, très 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 compliquée avec les problèmes hors football et le terrain. Comme vous le savez, mais déjà hors terrain, c'était vraiment difficile pour moi de. Ce qui s'est passé, c'était dur, surtout mentalement. Et moi, j'ai essayé de me réfugier, bien sûr, dans ce que j'aime, c'est jouer au foot, m'épanouir sur les terrains. Et ça n'a pas été le cas aussi, parce que physiquement, j'ai eu beaucoup de pépins. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à être patient. Aujourd'hui, voilà, mentalement, déjà, ça va beaucoup mieux. Et déjà grâce à Dieu, ça va, on garde espoir, on a la foi. Grâce à vous aussi les supporters, grâce au staff, au club, qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont toujours soutenu. Donc bien sûr, c'est grâce à vous que je garde le moral aussi et voilà qui me pousse aussi à revenir le mieux possible, le meilleur possible et le plus tôt possible. Bien sûr, dans les meilleures des conditions. Maintenant, voilà, cette année, ça a été une année, on va dire, à ne pas oublier, mais j'ai appris beaucoup. J'ai pris beaucoup d'expérience avec ce qui s'est passé et ça va m'aider à revenir beaucoup plus fort, je pense. Donc, voilà, un grand merci à vous tous, surtout un grand merci à tout le monde, au soutien. Moi, mentalement, physiquement, je vais faire mon maximum pour revenir au top, revenir sur les terrains pour aider mon équipe, le club et remporter les titres parce que c'est pour ça que je suis venu. Et voilà, en tout cas, pour vous dire que je ne lâcherai pas, je vais donner mon maximum et encore merci à tout le monde. Ciao, ciao.